Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vieille joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut, ô Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouva à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, on voit notamment Jésus donc, qui se prépare avec ses disciples à fêter la Pâque juive. Et ce soir et demain, donc c'est en 2020, c'est la Pâque juive à nouveau, qui est elle aussi contrariée parce que les Juifs ne peuvent pas se rassembler pour ce grand moment. Et j'entendais aussi qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'agneau pascal, pour partager. Et pour eux, ce n'est pas comme notre repas de Pâques où si on n'a pas notre gigot, ce ne sera pas la fin du monde cette année. Pour eux, c'est important parce que la Pâque, quand on est juif, elle ne se vit pas dans un lieu de culte, elle se vit à domicile. Et Jésus n'est pas allé au temple pour aller fêter la Pâque, il n'est pas allé à la synagogue pour aller fêter la Pâque, il a trouvé chez quelqu'un une salle qui est le cénacle pour aller fêter la Pâque. La Pâque, c'est un repas avec des prières à la maison. Et notre liturgie de nos messes, aujourd'hui encore, s'enracine dans la liturgie romaine, qui s'enracine dans la liturgie juive. Le repas de la scène, c'est se base sur la prière des Juifs. Et donc, c'est à la maison. Alors, c'est intéressant pour nous qui sommes dans la souffrance de ne pas pouvoir venir dans nos églises pour l'Eucharistie. Et demain, il va y avoir un gros manque de ne pas voir la messe de la scène dans l'église Sainte-Thérèse. Et vous aurez à la vivre à la maison. Et en fait, ça sera les racines de nos racines. Alors ça n'enlèvera rien au manque de cette messe, de l'Eucharistie, évidemment, mais on retrouvera un petit peu ces dimensions de nos origines juives avec ce repas. Et la messe, l'Eucharistie, c'est le sacrifice du Christ, mais c'est aussi le repas, et historiquement le repas dit juif, comme on l'entend dans l'Évangile. Et c'est à table que les choses se font, avec du pain, azim, c'est-à-dire sans levure, et puis du vin. Il ne s'agit pas pour nous de singer une fausse messe à la maison. On a vu ça dans certaines dérives dans les années 70, 80, 90, de ci, de là, y compris dans des paroisses comme Sainte-Thérèse. Mais il ne s'agit pas de faire ça. Par contre, on peut remettre en valeur la liturgie à la maison. Et on redécouvre, Jean-Paul II l'avait redit, hein, les maisons, les familles comme des églises domestiques. L'Église ne se limite pas à un bâtiment quelque part où on y célèbre des sacrements. Il y a cette Église universelle qui se vit dans des églises domestiques, c'est-à-dire en famille. Et les liturgies juives sont belles. La communauté des Béatitudes, par exemple, elle cherche à garder ce lien avec les Juifs et donc vivre un peu cela à travers des rites empruntés au judaïsme, avec des psaumes, avec un repas. C'est la mère de famille qui allume les cierges, et etc. Donc, en ces temps de confinement,
eh bien, il se vit des belles choses chez certains d'entre vous qui me le racontent. Des liturgies, des prières, des petites églises domestiques qui se font à la maison. Et alors, à défaut de ne pouvoir venir dans nos églises pour célébrer la messe, eh bien, je vous encourage à vivre à la maison ces églises domestiques, dans la prière, dans la vie fraternelle aussi, et en communion avec nos frères, ou même comme disait Benoît XVI, nos pères dans la foi que sont les Juifs. Donc redécouvrons ces dimensions-là de la prière, de la vie chrétienne à la maison. Alors sachant que la foi juive, elle était en préparation d'une foi chrétienne, eh bien nous on peut dire vivons cette église domestique, nous continuerons à la vivre, j'espère, au moment du déconfinement. Mais évidemment, nous serons dans l'attente de pouvoir célébrer la grande fête de la Pâque, évidemment, qui se célèbre dans le sacrement de l'Eucharistie. Tu bénis, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu bénis, de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Christian Selin, Guy Bariel, Geneviève Lescaut, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Anne-Marie Louridan, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, et libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.